Bonjour à tous, voici l'horoscope de cette pleine lune du 19 décembre. Auparavant, je vous rappelle toujours les consultations avec Zoé et avec moi, le, les réseaux sociaux, le bouton rejoindre pour faire partie de notre communauté et avoir des petits cadeaux, et enfin euh, 12 pour établir vos compatibilités, avoir un horoscope, faire votre thème astral personnel. Sagittaire et ascendant Sagittaire dans l'horoscope de cette pleine lune du 19 décembre, vous êtes encore extrêmement valorisé. Bon, c'est vrai que le Soleil est chez vous dans votre troisième décan, la Lune est en Gémeaux dans le troisième décan, c'est le signe qui s'oppose à vous évidemment, et hop, les deux sont en bon aspect avec votre maître Jupiter. Donc vraiment, euh, comment dire? On ne peut pas dire mieux que euh, vous allez être euh, euh, au centre de l'attention. Hein? Euh, Jupiter, euh, qui occupe votre secteur 3, et elle met l'accent vraiment sur. Les échanges, la communication, les déplacements, le, euh, le fait que parfois euh, vous êtes quelqu'un qui bouge beaucoup hein, et, et et qui euh, a besoin justement d'espace pour se mouvoir. Et là, l'espace, vous allez l'avoir, que ce soit symbolique ou que ce soit vraiment euh, de l'espace où respirer parce que vous êtes en vacances par exemple. Eh bien, euh, vous en profiterez au maximum parce que le le mot d'ordre de cette pleine lune, c'est profit. Profiter. Euh, Jupiter est une planète de profit et elle est bon, vraiment très mise en avant pour ceux du troisième décan. D'ailleurs, elle va très bientôt quitter le verso où elle se trouve. Pour les poissons, hein, c'est dans quelques jours. Euh, profitez aussi de vos proches, hein, parce que Jupiter occupe le secteur qui les représente. Euh, elle se trouve dans un terme vénusien, donc les relations avec vos proches seront très agréables. Et vous allez peut-être en revoir certains que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Euh, c'est bientôt les fêtes, hein, donc forcément, il y a de la réunion dans l'air. Capricorne et Ascendant Capricorne, dans la pleine lune de ce 19 décembre, dans son horoscope, hein, euh, nous avons donc un Soleil qui est à la fin du Sagittaire, opposé à la Lune, et les deux sont en, en, en très bon aspect avec Jupiter. Il n'y a aucune dissonance dessus. Jupiter, c'est une planète de chance. Je sais bien que vous ne croyez pas à la chance, hein, puisque... Euh, le Sagittaire et Jupiter sont dans votre secteur 12, pour vous la chance n'existe pas, il n'y a que le travail qui paye. Or, euh, bon, euh, Jupiter, maître de toute cette conjoncture, occupe votre secteur d'argent. Quand je parlais de paye, c'était pas par hasard. Hein. Vous êtes un peu fixé sur une question d'argent. Pourquoi bah, Peut-être parce que vous allez. Euh, acheter quelque chose ou que vous avez acheté quelque chose. Il ne faut pas oublier que Jupiter a été toute l'année dans ce secteur d'argent. Malheureusement, elle n'était pas très productive, mais peut-être que vous avez quand même pu acheter un terrain, acheter une maison, que vous allez construire quelque chose. En tout cas, vous êtes un petit peu favorisé là, maintenant sur le plan financier grâce à cette, cette euh, pleine lune qui euh, favorise donc tout ce qui est financier. Maintenant peut-être que vous avez bien placé votre argent et que euh, hein, vos comptes de fin d'année euh, vont se révéler euh, positifs. Hein C'est possible si vous êtes... Euh, euh, un entrepreneur, que vous avez une affaire à vous, hein, on est dans les comptes à la fin de l'année et peut-être que ces comptes vont être positifs, euh, en tout cas pour vous. Hein. Euh, ça annonce aussi euh, davantage de confort hein, en 2022. Verseau et ascendant Verseau. Euh, dans la pleine lune de ce 19 euh, décembre, dans l'horoscope de cette pleine lune, il n'y a que des bonnes choses pour vous, hein, honnêtement, si vous êtes du troisième décan en tout cas. Hein, euh, en effet, euh, bon, le soleil et la lune euh, occupent euh, donc des signes qui sont en, en harmonie avec le vôtre, et elles sont les deux en très bon aspect avec Jupiter. Qui est chez vous, hein donc c'est Jupiter qui est le chef d'orchestre de cette pleine lune et euh, qui nous donne des indications sur l'ambiance dans laquelle vous êtes. Vous êtes dans une ambiance valorisante. Hein Jupiter, c'est vraiment la renommée, euh, votre réputation. Euh, euh, bon, et elle est chez vous, donc elle vous concerne vous personnellement, et euh, bon, elle est un, quand même euh, un petit peu débarrassée de Saturne maintenant, donc elle peut donner, euh, elle peut donner beaucoup, euh, et euh, certains d'entre vous seront extrêmement contents de voir que leurs affaires se sont développées, qu'ils ont pu euh, peut-être euh, retrouver un niveau euh, de vie. Euh, Auquel euh, beaucoup de Verseau aspirent, hein, euh, parce que il est euh, symbole de ce niveau de vie est un symbole de votre liberté. Or euh, bah, Jupiter chez vous accentue ce besoin de liberté, ce besoin de ne dépendre de personne. Euh, Peut-être d'ailleurs que certains en 2022 vont prendre euh, Hein, Peut-être difficilement, mais vont pouvoir prendre leur indépendance. Hein. Le verso l'a fait, le verso du premier décan l'a fait, ça va être autour du verso du deuxième décan, et je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Poisson et ascendant Poisson dans l'horoscope de cette pleine lune du 19 décembre, euh, nous avons le Soleil et la Lune qui s'opposent. Évidemment, elles s'opposent encore. Euh, les deux planètes s'opposent encore depuis euh, le Sagittaire pour l'une, les Gémeaux pour l'autre, et elles sont toutes deux en excellent aspect avec Jupiter. Alors Jupiter, c'est une de vos planètes maîtresses. Il hein, ne faut pas l'oublier que avant euh, la découverte de Neptune, Jupiter vous appartenait. Et elle occupe votre secteur 12, hein, euh, mais plus du tout pour longtemps. Elle a même déjà quasiment un pied dans votre premier décan. Hein. Alors ça doit vous rappeler des souvenirs, des souvenirs de... entre mai et juillet. Est-ce que vous avez fait une rencontre est-ce que vous avez eu euh, l'occasion de développer votre activité ou est-ce que au contraire vous avez eu des petits problèmes légaux administratifs des tracasseries voilà tout ça va être mis en avant euh, dans les jours qui viennent avec quand même pour le troisième décan il faut pas oublier hein, le Jupiter est dans le troisième décan du Verseau, donc peut-être une chance imprévue, quelque chose que vous n'avez pas vu venir et qui peut se manifester au moment de cette pleine lune. Peut-être que bon, on peut vous faire une proposition de, de mutation, de, euh, de, de, de promotion dans votre boulot. Maintenant, est-ce que vous allez l'accepter ou pas euh, Rien n'est moins sûr. Il est possible que ça se trouve, euh, que ce qu'on vous propose soit trop loin de chez vous, euh, quoi que ce soit, hein, que ce soit un boulot, un nouveau logement, euh, euh, n'importe quoi. Euh, vous, y, vous pourriez y trouver à redire après réflexion. Hein. Au premier coup d'œil, ça vous paraîtra bien, mais après, après réflexion... Euh, vous vous direz que non, ça ça ne va pas. Bélier, Ascendant Bélier, dans l'horoscope de cette pleine lune du 19 décembre, vous êtes encore une fois favorisé, vous l'étiez déjà avec la nouvelle lune, et bien vous l'êtes en, peut-être encore plus. Hein, euh, c'est le troisième des camps qui est le plus concerné, mais tout le signe, hein, euh, les nouvelles lunes, les pleines lunes, c'est pour... Euh, en général, la totalité du signe. Donc euh, elle pointe, cette euh, pleine lune, elle pointe sur Jupiter, hein, très nettement. Euh, C'est vraiment la planète qui va donner le ton, le rythme euh, de cette, euh, la période où la pleine lune est active. Et Jupiter est en excellent aspect avec vous, hein, les, les béliers du troisième décan, je le répète. Il est possible que l'un de vos projets connaisse le succès. Hein, Jupiter vraiment amplifie euh, tout ce qui est bon, à tout ce qui est moins bon aussi, mais là c'est que du bon. Hein Donc le bon est nettement amplifié et vous pourriez même euh, euh, vous projeter dans un avenir absolument euh, euh, formidable, euh, génial. Euh, mais c'est vrai qu'il euh, est possible que vous ayez développé un projet, hein euh, peut-être quelque chose qui est lié à à l'informatique, aux nouvelles euh, voies de communication, aux, aux réseaux sociaux, par exemple. Euh, hein, les uns ont pu s'inscrire tout simplement sur un réseau social et se faire plein de nouveaux amis. Et bah, les autres ont pu travailler hein, avec un réseau social. Et, et ça a été peut-être le cas euh, toute l'année. Hein, C'est possible. Et puis là, on arrive à une conclusion euh, dans la mesure où, où Jupiter va quitter dans quelques jours. Hein, euh, le Verseau pour rentrer en poisson, mais vous en profitez encore hein, et euh, bon, euh, il est possible qu'on parle de vous, de vos projets, de votre inventivité et de votre créativité. et ascendant taureau dans l'horoscope de cette pleine lune du 19 décembre. Nous avons bien sûr le Soleil et la Lune qui s'opposent du Sagittaire au Gémeaux. Le Gémeaux étant euh, votre signe voisin, c'est là où va se trouver la Lune. Mais les deux luminaires euh, sont tous les deux en bon aspect avec Jupiter. Et vraiment, euh, bon, ça met... Terriblement l'accent sur Jupiter, à tel point qu'on va parler que d'elle. Elle occupe le troisième décan euh, du Verseau, elle va d'ailleurs très bientôt euh, entrer en poisson, mais bon, votre troisième décan est euh, encore concerné par euh, ce Jupiter qui se trouve tout en haut de votre ciel. Euh, alors, elle joue un rôle positif, ça c'est sûr, hein bon. à moins qu'elle soit vraiment très blessée dans votre thème, très affectée par des. Dissonance. Autrement, elle va jouer un rôle très positif dans la mesure où vous allez obtenir une reconnaissance dans votre travail. Hein. On vous dira que vous avez fait du bon boulot euh, cette année, que vous avez peut-être fait avancer euh, votre carrière. En tout cas, troisième décan. Hein. Euh, il se peut même qu'on vous propose une promotion, une mutation, quelque chose que vous attendez, que vous espérez. Hein, euh, le, le Jupiter en Verseau est toujours plein d'espoir. Alors c'est vrai que pendant toute l'année il a été... Jupiter a été sous l'influence de Saturne et que les espoirs étaient très rétrécis. Mais là euh, je pense qu'elle se lâche hein, depuis quelque temps et que bon, euh, l'espoir doit vous accompagner, hein. il faut absolument croire, en, en vos possibilités et, et en la, euh, dans le fait que vous pouvez évoluer dans votre vie euh, personnelle et professionnelle. Gémeaux et Ascendant Gémeaux, dans l'horoscope de cette pleine lune du 19 décembre, ben vous êtes un petit peu en vedette, hein, parce que la lune, elle est chez vous. Alors c'est un éclairage un petit peu, c'est un reflet, hein, euh, Mais c'est votre reflet et il est mis en vedette par cette opposition Soleil Lune qui est en très bon aspect avec Jupiter, la planète de chance. Et vraiment, elle joue un rôle extrêmement important dans cette pleine lune parce que euh, elle, elle gère euh, tout simplement. Euh, Hein, à la fois le soleil et, et, et la lune finalement. Donc on peut penser, si vous êtes du troisième décan, hein, mais tout le monde en aura des échos. On peut penser donc que vous avez mis quelque chose en route, que vous avez développé quelque chose cette année et que on en arrive là à, euh, si vous voulez, à un résultat, hein, quelque chose de vraiment positif qui, qui euh, accentue votre renommée, votre réputation dans, dans ce que vous faites, dans les euh, bon alors c'est vrai que il euh, n'y a pas que ça, il hein. y a aussi le côté voyage. Hein. Avec euh, Jupiter, on peut pas faire l'économie de l'interprétation euh, qui veut que vous fassiez un beau voyage pour les fêtes, par exemple. Hein. Mais bon, c'est aussi euh, le Verseau, un secteur de créativité, d'inventivité, euh, d'idées, d'opinions. Hein. Toujours un petit peu décalé hein, puisque c'est le verso euh, et vous allez peut-être euh, euh, briller hein, en, en, en société parce que vous allez exprimer des idées qui iront un petit peu à l'encontre du politiquement correct donc euh, on vous en félicitera cancer et ascendant cancer dans l'horoscope de cette pleine lune du 19 décembre. Nous avons évidemment le soleil et la lune qui s'opposent depuis les, le sagittaire et les gémeaux. Donc on va pas revenir sur le sagittaire, mais franchement, elle, elle est étonnante, hein, cette nouvelle lune, cette pleine lune, étant donné que vraiment les deux luminaires mettent l'accent euh, fortement éclaire fortement jupiter, la planète de chance, et qui est votre deuxième maître. donc, elle, forcément, il va se passer quelque chose dans le domaine que gère jupiter en ce moment. elle est en verso depuis le début de l'année, hein, donc elle termine là son parcours en verso euh, fin décembre. Hein, et, et le verso, c'est votre secteur de mutation de transformation à travers des crises hein, parfois mais euh, bon euh, vous transformez le négatif en positif hein, sous cette configuration bon, c'est également un secteur financier. Hein, donc, vous pouvez transformer le plomb en or, euh, faire de l'argent, faire du profit. Hein, jupiter est une planète de profit. donc, c'est euh, bon, normal, un petit peu. c'est la fin de l'année. Euh, les gens achètent, euh, consomment, et ça peut retomber dans votre escarcelle. Hein, évidemment, euh, si vous êtes... Euh, que vous soyez commerçant, indépendant, alors peut-être même salarié, parce que vous allez avoir une prime de fin d'année. Hein, ça arrive euh, souvent euh, chez les, dans le privé, chez les salariés, même dans le public. Donc, euh, je pense que vous serez assez content, parce qu'avec Jupiter, hein, quand même, on a des satisfactions. Lion et ascendant Lion, dans l'horoscope de cette pleine lune du 19 décembre, encore une fois vous êtes valorisé, mais vraiment hein, par, cette, euh, par cette pleine lune, elle pointe, le soleil est en Sagittaire toujours, donc très narcissisant, hein, flattant votre amour propre, la lune est en gémeaux, elle parle de projet, et les deux, se, les deux luminaires se projettent sur Jupiter justement la planète qui amplifie tout, qui éclaire les projets. Et il y a un projet dans l'air et probablement plus un projet affectif, amoureux, on pourrait dire, qu'un projet professionnel. Bon, c'est sûr, vous pouvez avoir l'idée de vous associer avec quelqu'un, même peut-être que c'est fait. Mais il y a aussi de la rencontre dans l'air de l'amour peut-être, euh, une vie à deux qui se prépare, un mariage qui peut se préparer. Hein Tout ça, c'est le côté positif. Maintenant, <laughs> c'est très possible. Si votre Jupiter, euh, à vous, dans votre thème, était euh, un peu mal aspecté, il est possible... Qu'on parle de divorce, hein, parce qu'il y a une notion de légalité toujours avec Jupiter. Il, il faut, il y a de la paperasse à faire hein, toujours euh, avec Jupiter, que ce soit pour une bonne chose, une association, un mariage, ou euh, pour une moins bonne chose, pour un divorce, un désaccord euh, à porter euh, au tribunal, par exemple. Bon, euh, c'est possible que ça vous soit arrivé cette année, mais ce que je peux vous dire, c'est que bon, Jupiter. Euh, euh, nous, ce sont ces derniers euh, influx, ces derniers feux, puisque d'ici une dizaine de jours, elle va rentrer dans euh, le signe des poissons. Et là, on parlera euh, d'argent euh, pour, euh, pour tous les lions euh, jusqu'au mois de mai. Vierge et ascendant vierge, dans l'horoscope de cette pleine lune, nous avons euh, d'un côté le soleil en Sagittaire qui s'oppose de l'autre à la lune en Gémeaux. Euh, c'est pas très important cette opposition. Ce qui est important c'est que les deux planètes sont en bon aspect, hein, depuis des secteurs euh, importants de votre thème, hein, des, des des angles de votre thème, elles sont toutes les deux en bon aspect avec Jupiter, la planète de chance, qui est maîtresse du Soleil d'ailleurs, hein, euh, en Sagittaire. Donc, qu'a fait Jupiter cette année pour vous Elle était dans votre secteur du travail et bien entendu, elle a mis un gros projecteur, une grosse loupe sur ce domaine, qui est aussi celui de, euh, du bien-être au quotidien, de la forme. Euh, de l'organisation de vos journées et du perfectionnisme. Et on sait à quel point vous êtes perfectionniste. Donc peut-être que vous avez vous êtes beaucoup épuisé à vouloir être parfait cette année. Hein. C'est possible. Mais ça porte ses fruits à un moment ou à un autre. Et là, on, on est euh, vraiment dans une période pour vous où vous pouvez hein, récolter tout ce que vous avez semé au long de l'année. Peut-être j'exagère, hein, mais bon, euh, c'est Jupiter qui porte à exagérer toujours. Mais bon, je me dis que euh, la Vierge, hein, c'est euh, petit à petit l'oiseau fait son nid et petit à petit les graines qu'elle sème se révèlent toujours à un moment ou à un autre être de belles plantes. Et là, euh, j'ose espérer et vous aussi d'ailleurs, parce que Jupiter est en verso dans le signe de l'espoir, on ose espérer que euh, hein, tout ça a fleuri et que euh, vous allez euh, en, en, en recueillir euh, les bénéfices. Balance et ascendant balance dans l'horoscope de cette pleine lune du 19 décembre, vous avez tout bon. Hein le Soleil d'un côté est en Sagittaire, votre secteur 3. La Lune en Gémeaux, votre secteur 9, sont vraiment des, ex euh, des excellents secteurs de communication, d'échange, qui parlent aussi de voyage hein, pour la Lune c'est sûr que vous aspirez à voyager et à vous changer les idées parce que vous êtes très occupé. Hein. mais bon, les deux planètes qui s'opposent euh, sont toutes les deux en bon aspect avec jupiter, planète de chance, je vous le dis toujours, et là, pour le coup, elle vous porte chance. Hein. si vous êtes du troisième des camps, en particulier, euh, jupiter termine sa course en verso et donc euh, donne quand même tout pouvoir à, à cette pleine lune ou c'est cette pleine lune qui donne tout pouvoir à Jupiter hein, suivant votre thème. Toujours est-il que euh, comment dire, vous êtes comme sur un piédestal. Hein, on vous encense, on vous admire. Alors évidemment j'en fais trop hein, puisque euh, je suis sous l'influence de Jupiter. Mais bon. Je vous assure qu'on va parler de vous, qu'il va y avoir quelque chose qui va vous euh, braquer les, les, les projecteurs sur vous, quelque chose de l'ordre d'une réussite. Hein. Jupiter occupe votre secteur 5. Je sais que euh, ce n'est pas du tout l'impression que vous avez eue cette année. Hein. On est bien d'accord. Jupiter était rentré en Verseau avec Saturne, donc elle ne pouvait pas donner son maximum. Mais là, elle s'est bien dégagée de, de Saturne, puisqu'elle est à la toute fin du Verseau, et vous allez euh, cueillir les fruits des efforts que vous avez faits cette année. Et vous en avez fait avec Saturne, hein, des, efforts, euh, des efforts constructifs. Et voilà, toute cette construction va donner quelque chose là, maintenant, et certainement l'année prochaine aussi. Scorpion et Ascendant Scorpion, dans l'horoscope de cette euh, pleine lune du 19 décembre, euh, nous avons une configuration particulièrement positive. Alors je sais bien que vous n'êtes pas un optimiste de nature, mais là, euh, vous pouvez quand même euh, vous dire que euh, vous allez tourner une page. Le Soleil et la Lune sont en effet euh, tous les deux en parfaite harmonie avec Jupiter. Donc c'est Jupiter qui domine cette pleine lune et qui donne le ton hein, des, de, de cette période qui va certainement euh, s'étaler, euh, vous allez voir, sur 2022, qui va vraiment très bien démarrer pour vous. Mais pour l'instant, euh, il est question du troisième décan, surtout qui a probablement eu euh, quelques soucis juridiques, des tracasseries administratives, qui a peut-être dû déménager ou tourner une page même, hein, parfois. Mais euh, disons que euh, maintenant, vous allez toucher les bénéfices. Hein, de tout ce qui s'est passé cette année. Euh, cette année se termine bien sur un constat pour vous euh, qui est positif euh, ou qui va l'être financièrement euh, et euh, qui peut vous permettre de peut-être d'acheter un terrain, une maison, euh, quelque chose à bâtir, euh, un, une famille aussi à bâtir, à construire. Vous êtes dans cet état d'esprit extrêmement constructif et nous, le, nous allons le vérifier hein, euh, une grande partie de cette année euh, qui arrive parce que Jupiter, donc toujours elle, va se trouver dans un secteur extrêmement positif de votre thème et euh, donc les bénéfices euh, seront là. Vous avez aimé cette vidéo Eh bien peut-être que vous aimerez aussi les 12 vidéos euh, que je vous propose une par signe pour votre année 2022. Pour plus d'horoscopes comme d'habitude, le 32 10 et le site du figaro TV magazine, Je vous souhaite de belles fêtes à tous,